Salut, c'est les Jérôme. Sans plus attendre, on continue le remontage de la colonne de pierre. On a protégé le seuil tout neuf pour ne pas le salir, et puis on peut commencer. Les blocs vont être remis dans leur ordre d'origine, et à cet étage, il y a beaucoup plus de place dans le mur principal de la maison, ce qui permet de mieux croiser les pierres. D'ailleurs, les pierres de taille de cette colonne sont mieux prévues pour faire un gainage digne de ce nom. C'est parti! Du coup, une pierre sur deux rentre bien dans la maçonnerie annexe et on peut compléter avec des pierres et assurer une bonne stabilité. On a monté les premières pierres au niveau et à la règle, mais pour la suite, on tend à nouveau un cordeau à 1,26 m de l'autre colonne. Il y a un petit décalage en partie haute, mais avec la séparation faite avec le linteau et le seuil, cela ne se fera pas. Alors, on continue la pose des pierres. Pour la suite, on va devoir retirer ce qu'on avait mis dans le mur pour temporairement soutenir une solive. A nouveau, puisqu'on a compensé l'affaissement de cette partie du bâtiment, certaines pierres ne rentrent plus dans le mur et il faut un peu adapter leur forme. Et voilà! Il ne reste plus que la dernière partie du mur à remplir avec des pierres pour terminer la maçonnerie. Et on a laissé une cavité pour bien faire rentrer le linteau dans le mur. Avant de passer au linteau, comme à l'étage inférieur, on restaure les pierres. En retirant tout le ciment, plâtre, etc. Puis en rebouchant les trous en reformant les arêtes. Sans oublier de creuser les joints ensuite. On l'avait promis, on va un peu donner plus d'explications sur l'utilisation de la cintreuse pour plier les fers à béton, ici pour réaliser les cadres de l'armature. Enfin, en tout cas comment nous on l'utilise. On veut former des cadres de 13 cm par 13 cm et un retour de 7 cm. Alors il faut d'abord couper les barres à la longueur adaptée. Et pour calculer le périmètre, en principe il faut prendre en compte le rayon de cintrage. Mais une façon simplifiée de le faire est d'additionner les longueurs. 4 x 13 plus 2 x 7 et de retirer autant de fois le diamètre de la barre qu'il y a de cintrage. Donc, moins 5 x 8 mm, ça fait 62 cm. Ensuite, pour plier aux bonnes longueurs, il faut s'aider de ces goupilles qu'on peut positionner un peu partout sur l'outil et c'est cela qui va déterminer la longueur d'un côté. La petite subtilité, c'est qu'il ne faut pas juste mesurer la distance entre la roue de cintrage et la goupille car c'est du côté intérieur du cadre. Il faut donc aussi tenir compte du diamètre de la barre. Comme ici on veut 13 cm de côté extérieur, il faut soustraire 2 fois le diamètre de la barre, soit 2 fois 8 mm, donc la goupille doit être positionnée à 11,4 cm de la roue, enfin dans le trou le plus proche de cette mesure. Puis on peut commencer à plier.
D'abord le retour. Bon, ici, il faut mesurer. Ensuite, les goupilles étant mises à la bonne distance, on peut continuer à cintrer. Pour l'angle droit, on fait à vue, mais on s'aide aussi du coin de la table pour vérifier. Avant de faire le dernier angle, il faut d'abord faire le retour. Car si on plie maintenant le dernier côté du cadre, ben on ne pourra plus faire le cintrage du retour au bout vu qu'on a bouclé. C'est là que le second plot est utile. Il est positionné pour laisser juste ce qu'il faut de longueur après le retour. Il reste donc deux côtés de 13 cm à plier, ce qui fait 26 cm, auquel il faut aussi soustraire 3 fois le diamètre, car il reste un cintrage, et il faut aussi à nouveau prendre en compte que ce sont les distances à l'intérieur du cadre. La goupille est donc positionnée à 23,6 cm de la roue. On peut donc plier le retour en toute confiance avant de terminer le cadre. L'angle de cintrage du retour est de 135 degrés. Pendant le cintrage, il faut veiller à maintenir le cadre à l'horizontale, car si on le laisse pencher, la barre ne reviendra pas tout juste contre l'autre, ce qui nous est déjà arrivé. Ce n'est pas bien grave, mais il vaut mieux éviter. Un dernier cintrage, et voilà, le cadre est tout juste comme il nous faut et aux bonnes dimensions. Et cela permet d'en faire assez rapidement à la chaîne. On peut ensuite procéder au montage avec les barres en fibre de verre de l'armature. Et c'est prêt. Pour le coffrage avec texture, le multiplex marin, c'est bien, ça n'absorbe rien, et donc c'est resté bien lisse. Mais c'est même trop lisse pour la tenue de la colle. Il y a eu un peu d'arrachement. Donc, il faut refaire la surface. Et de fait, ça vient très facilement. Du coup, on a un peu poncé la surface pour une meilleure tenue de la colle. Et ce coup-ci, on a acheté une huile de décoffrage. Cela aidera peut-être à diminuer l'adhérence des bulles, en plus de faciliter le démoulage. L'armature rentrera dans le mur et sera posée sur des cales, toujours des morceaux de test pour le linteau. Et puisqu'on a le laser, c'est l'occasion de vous montrer pourquoi on attache l'armature du linteau au milieu lors du coulage. Car de son propre poids, elle fléchit un peu. Et du coup, on veut éviter cela. On installe le coffrage, mais aussi, comme les pluies sont de retour, on a protégé la zone de travail avec une bâche récupérée des emballages des matériaux. Dans la colonne existante, on a aussi fait quelques trous pour faire rentrer les barres de l'armature. On veut que tout soit bien solidaire. On a aussi mis une planche dans la feuillure pour l'enduit et toujours des petites baguettes pour les joints. Bon, par contre, il y a toujours des petits interstices ici ou là, et avec la vibration, ça risque encore de couler, comme on a fait un mortier assez liquide. Alors, on a colmaté avec du mastic, ce qui au passage aidera certainement à retirer les baguettes, car ce n'était pas facile. La face arrière du coffrage sera posée dans un second temps, car il n'était pas possible de mettre l'armature une fois le coffrage monté, vu qu'elle rentre dans le mur des deux côtés. On la mettra donc après avoir appliqué le premier enduit teinté. Alors, en vitesse, eh bien, il nous a fallu encore de la pierre broyée. Bon, vite fait, hein. Application du premier enduit, et puis le reste écoulé. Et enfin, l'étape fatidique, le vibrage du béton.
Et voilà. Puis on a directement fait les joints entre les pierres. Il y a beaucoup de ciment sur la façade et il faut le retirer, comme on avait déjà commencé lors du démontage. Pendant tout ce temps, on a en parallèle continué à purger ce que l'on pouvait, comme sur le linteau de cette petite fenêtre. Et oh, surprise! Cela cache en fait qu'il est tout cassé. Encore un linteau à faire. Pourtant, ce tout petit linteau, lui aussi, a une barre d'acier. On ne pense pas qu'on aura encore le temps pour celui-ci avant l'arrivée du froid et des grosses pluies. En tout cas, ça explique que la pierre au-dessus n'a pas l'air droite. Bref, pendant tout ce temps, on a donc retiré un max de pâté et de joints au ciment. On a aussi fait tomber les joints d'origine, de couleur brique, qu'il faudra de toute façon refaire. Les briques ont souffert, il va y avoir du travail. Derrière la descente pluviale, il y a de gros aplats de ciment. Et en fait, ils cachent des renfoncements de la pierre de taille. Ici aussi, c'était certainement destiné à un enduit imitation de briques. Ça fait encore son paquet de gravats. Et puisqu'on parle de briques, comme pour le bandeau et pour l'étage précédent, on les a préparées. D'abord en sélectionnant celles qui seront mises en boutisse ou en panneresse, en fonction de leur état. Mais, petit hic, les briques qui seront visibles, de la bonne teinte et en bon état, eh ben on commence à en manquer. On a fait notre plan de pose pour optimiser le nombre visible. Et comme depuis le début, pour les briques à l'arrière, ce seront des briques d'une autre couleur ou dont aucune des faces ne convenait. On commence par les nettoyer à la brosse. Le problème, c'est que la brosse métallique a tendance à laisser quelques traces. Alors pour remédier à cela, après nettoyage, on frotte un petit morceau de brique sur la face, ce qui ponce la surface et corrige le problème. Voilà, tout est fait. Mais malheureusement, on n'en aura pas assez. Alors, il faut ruser. Notamment avec les boutisses, car on a pas mal de morceaux presque complets et des quarts ou des petits morceaux. On les a donc recoupés en faisant quelques traits pour l'assemblage, cela en vue de remplacer une brique entière qui du coup pourra servir de panneresse. Bon, juste de temps en temps, hein. L'idée n'est pas de ne mettre que des morceaux assemblés, mais grâce à cela, on va y arriver. Pour une répartition harmonieuse des rangées de briques, on a pris la mesure de la hauteur totale, sachant qu'on doit faire 5 rangées. Et on a tracé des traits pour positionner le cordeau, en tenant compte des joints, y compris celui au-dessus de la dernière rangée. Et en parlant de rangées, on est certain qu'il y en avait bien 5 ici, mais on s'y perd un peu car à cet étage, sur l'autre façade, il y en a pourtant 6. Étrange que ça soit différent. Et c'est tout aussi bizarre un peu partout, comme pour la première allège qu'on a déjà remontée sur cette rangée de briques. Alors qu'un peu plus loin sur le bâtiment, partie pourtant symétrique, il y a 8 rangées. Et d'ailleurs, en regardant sur la seconde tourelle de l'autre côté, à la même hauteur, on voit déjà bien qu'il ne sera pas possible de caser 5 rangées de briques. On le répète, étrange. Mais bon, c'est comme ça. Tout est prêt. On a disposé les briques à portée de main sur l'échafaudage, alors passons à la maçonnerie.
mais on a bien laissé l'abage de protection et redirigé l'eau de pluie vers l'extérieur. Ce qui s'est avéré bien utile par moment car ça tombait bien. Bref, concernant l'agencement des briques, sur les côtés, une rangée sur deux, on a des briques de 3 quarts de la longueur. Et comme on a un nombre impair de rangées, on a mis 3 fois cette configuration plutôt que l'inverse. C'est ce qu'on avait prévu dans notre schéma. Cela paraît idiot, mais c'est ce qui nous a permis d'économiser encore des briques entières, 2 par rangée. Cela en plus de placer de temps à autre une de ces fausses boutises pour tricher un peu. Bah oui, il faut bien pour y arriver. Alors, oui, on s'est pris un peu la tête, mais retrouver des briques de la même teinte, du même format et de la même apparence, eh bien ça s'avère extrêmement compliqué. Et on a cherché. En neuf, cela semble quasi impossible, on a consulté plusieurs fabricants, on a reçu des échantillons, et on a même été en transport en commun jusqu'à Lunderzeel en Flandre pour la visite d'un showroom. Mais bon, rien de bien probant. On nous a confirmé que cela n'allait pas être évident, et que le mieux ce serait d'en trouver de récupération dans les démolitions, si possible d'ailleurs dans notre région. Alors, sur internet, on en trouve bien, mais pas dans le coin, et c'est parfois difficile de se faire une idée sur photo. Bref, on a donc tenté de faire avec ce qu'on avait dans ce qu'on a récupéré. Il y en avait tellement d'endommagés dans ce qu'on a démonté qu'il a fallu complémenter. Et heureusement qu'on avait mis de côté ce qu'on a retrouvé ici ou là dans les décombres de la filature. Et ce ne sont heureusement pas les mêmes que celles qu'on a utilisées pour faire nos voûtes, qui sont dans notre format, car justement, à ce moment-là, on savait déjà qu'il faudrait mettre de côté ces briques oranges. Et voilà. Sur le côté de le renfoncement, on terminera par l'enduit imitation brique. Bon, maintenant, on peut décoffrer le linteau. Toujours un moment à la fois d'espoir et d'anxiété. Bon, encore quelques bulles. Et alors, l'huile de décoffrage, eh ben, ça n'a pas bien fonctionné avec la couche de colle qui s'est attachée. Comme quoi, l'huile de lin, c'était très bien. Heureusement, en grattant un peu, ça s'enlève facilement. C'est vraiment frustrant ces bulles, car la texture de surface est vraiment idéale sinon. Mais bref, on va corriger cela, comme cela a déjà été fait sur la partie de droite. On rebouche d'abord les trous, et puis pour que cela soit bien homogène, on étale l'enduit qui est assez fin sur toute la surface. Et à peine cela pris, qu'on vient gratter avec la truelle pour conserver la texture de la pierre. Comme pour tout ce qu'on explique, on rappelle que ce ne sont pas des vérités, mais simplement les moyens et techniques à notre portée qu'on a trouvés et expérimentés pour parvenir au résultat qu'on vous montre. Rien de plus. On est plus que certain qu'il y a moyen de mieux faire et avec d'autres méthodes, chacun la sienne, chacun ses contraintes. Mais voilà qui est corrigé. Pour terminer, il reste le dernier seuil à reconstruire. Et pour ça, il va donc falloir démonter ce châssis. Alors, pour le seuil de l'étage en dessous, on avait mal observé la pierre. Elle semblait parfaitement cubique, mais on aurait dû la retourner. Mais elle est très lourde. Et de fait, sur l'autre face, on se rend compte que les lits de pose sont effectivement droits, mais que la partie seuil est en pente. Logique, en réalité, pour un écoulement de l'eau vers l'extérieur. La pente est de 12 mm sur la largeur du seuil. Bon, du coup, ici on a positionné le coffrage, et la planche arrière est surélevée de 12 mm par rapport à celle de devant. À nouveau, on applique le mortier teinté. L'intérieur est rempli de vieilles briques maçonnées avec du mortier non teinté. Et on termine par une couche de finition qu'on a bien lissée. Sur le côté, on a tenté de laisser un lit de pose assez plat pour la pierre de taille.
Le lendemain, l'enduit a commencé sa prise, mais est encore tendre. Et au lieu du chemin de fer, cette fois-ci, on est venu gratter à la truelle l'allaitance du mortier. Du coup, avec cette méthode, on est vraiment très content du résultat. Et après avoir décoffré et cassé l'arête du seuil, on est ravi du rendu. Le seuil a donc cette petite pente qui permettra à l'eau de ne pas stagner sur le seuil et de couler vers l'extérieur. Et en plus, tout s'aligne bien sur la façade, et ça, ça change tout. Bon, par contre, pour le seuil au premier étage, on n'avait pas fait cette pente, malheur, mais on va rattraper ça. Sur l'arrière, on a posé une planche pour servir de guide. Et dans la pierre, on a donné des coups de burin pour faciliter l'accroche d'une nouvelle couche de mortier. Et puis, eh bien, une nouvelle couche d'enduit pour compenser notre erreur. Dernière étape du remontage, il reste une pierre à reposer. Comme depuis le bas on est remonté et qu'à partir d'ici tout est resté en place, il faut qu'on réduise sa hauteur. Une bonne coupe s'impose. Et une personne qui nous suit et qu'on remercie encore, nous a proposé de récupérer des disques diamants déportés de réforme. On ne connaissait pas, et vu que la face extérieure du disque est plane et libre, on peut faire une coupe de plus en plus profonde dans la pierre, progressivement, ce qui est plus simple que de faire le tour et raboter le centre. Et voilà, on peut poser la dernière pierre. Bon, du coup, ça change un peu les rapports des hauteurs de pierre avec la colonne de droite, mais étrangement à cet étage, ça n'a pas du tout été respecté, et en fait, rien n'est symétrique. On passe au décoffrage du bas du dernier linteau. Ici aussi, lui, il n'a pas fait bon ménage avec la colle. Il faut un peu gratter, mais le résultat est super. Avec tout ça, on va donc pouvoir remonter les châssis. Ils sont maintenus avec des chevillettes et on va ancrer les pattes de scellement dans les encoches avec du plâtre rapide. À terme, ces châssis seront remplacés, bien que déjà en double vitrage, ils ne valent pas grand-chose, ce n'était pas de la qualité. On n'a pas encore commandé de nouveau, on ne connaissait pas les dimensions exactes avant les travaux puisque tout était déformé. Bon, depuis, on a pris contact avec des menuisiers. Mais obtenir une réponse et un devis est encore une fois bien compliqué. En attendant, ces châssis un peu remis à neuf feront tout à fait l'affaire pour protéger des intempéries. Voilà qui termine le gros du chantier sur la tourelle. On ne va pas pouvoir aller plus loin dans le remplacement des linteaux, etc. Et il reste encore pas mal de choses à faire, comme les enduits briques et les joints. Et le temps file à toute vitesse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.